Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est modé. Et donc on va sur le survie créa chouchou. C'est notre dernier épisode de la saison 1, l'épisode 69. Et oui, on termine la gare de Trifouillis, et on va commencer les votes pour ce qu'on va faire dans la saison 2, qui ne sera pas en live, hein, qui sera pas en live, qui sera uniquement en épisode. Mais je veux garder cette interactivité. Donc il y aura des sondages, il y aura des trucs pour orienter. Je serai à l'écoute. J'essaierai pas en tourner trop souvent à l'avance. De toute façon, il va y avoir du montage, donc il va y avoir du boulot. Salut Fredo. Salut Tilou, de joyeux partenivers. T'as inventé ce mot, ouais. Hop, voilà, on est à Trifouillis-les-Oies. On est en train de terminer notre gare. Et Pop. Je sais même pas ça fait combien de temps que je dois être partenaire. Bon, ça doit faire un bail. Ouh, on va se coucher. Oula. C'est un petit peu dur. Ce sera sur YouTube. Ouais, ça sera sur YouTube. Ouais. Ça sera sur YouTube. Et ça sera sur la chaîne YouTube. Parce qu'après cette série-là, on va commencer une nouvelle série modée. On va construire le Titanic en mode Gisèle. On va construire le Titanic avec Gisèle et ça faisait longtemps que j'avais dit que je le ferais. Puis qu'il faut changer de temps en temps. Mais j'aime bien, moi j'adore les chouchous. Et donc j'ai envie de continuer à jouer avec mon petit monde. Et donc le but de la saison 2, c'est de rajouter 3 gares. Raccorder 3 nouvelles gares. Ici on a donc une ligne entre 3 gares, le village 3, le village 2, le village numéro 1. C'est donc Perpète-les-Bains, Pétaouchnok et Trifouillis-les-Oies. Faudra trouver des noms. Faudra trouver des noms pour ces 3 nouvelles gares. Je compte sur vous parce que moi j'ai épuisé mon 1. Donc ça doit être un nom de ville qui n'existe pas et qui fait référence à de l'exotisme. Ouais, alors j'ai été... Il y a le village C. Il doit y avoir le village B. Par ici, il y a le village A, qui est un double village. Et puis le village D qui est là. Donc soit un truc en étoile ou soit après en ligne. C'est-à-dire on va vers un de ces villages là et on continue à la suite. Pareil, il y aura des sondages là pour que vous choisissiez ce que vous préférez. Et puis après je pense qu'on généralisera un peu la double voie. Hein. Bon, nous il faut qu'on fasse grimper notre truc là. Ah oui, il faut qu'on mette aussi des... Ouais, faut qu'on mette des trucs pour pas tomber. Ah, je sais pas. Où sont les documents Minecraft. Create. Documents. On est en train de refaire la gare de d'Épinay. Enfin, on s'inspire lourdement. De la gare d'Épinay-sur-Seine. Top. Donc là, il faut qu'on fasse le haut avec les pignons et tout. Ilictat. Donc, j'ai déjà fait le côté. Ben, on va aller refaire la même chose de l'autre côté. Je pense que j'en ai pas mal. Ouais, 64, ça va le faire. Allez, hop, on peut passer. Okay.
On a un escalier ici pour monter. Allez, hop. Ah, bah. Alors, je crois qu'on dépasse, hein. Ah oui. Ah, je vais pas voir. Ah, brin. Faut que je déchaîne. Hop. Ah oui, je dépasse. Ok, comme ça. Au passage, on va le récupérer celui-là. Hop. Alors, plaque. Bon, on va grimper là. Hop. Ah non, comme c'est un carré. Ah. Brin de brin. Du truc là, ouais, 1, 2, 3. Non, ça va pas aller au-dessus. Ouais, il y a 4 en fait. Ah, c'est comme ça. Installons notre fêtière. Bon, du coup, j'entends plus la musique. Je l'avais baissé hier. Le dites si c'est trop fort, hein. Parce que surtout, j'ai peut-être baissé le. Hop, hop, hop. Alors. De briques, hein. Donc là, tac, là, tac, et il va me falloir des briques entre les deux. Alors par contre, ce que je manque pas, c'est de ça. Hop, hop, hop. Et du coup, ça va être peut-être un peu fort là. Salut Jim. Je vous l'ai déjà dit que hier on en a bavé avec Amiens et les toits. Oh vache, là c'est du là c'est du plaise là.
Là, on se fait plaisir, là. C'est droit. C'est simple. Ça se pose tout seul. Alors, après... Donc on monte 1, 2, 3 et l'autre, le quatrième. Uno, du, tri, kvar, il est coupé. Salut Shumi. Donc, uno, du, tri. On le met là et celui-là on le met comme ça. Hop. Et là il y aura une petite dalounette. Le lit est en bas, ouais il est là. Hop, ah il est pas l'heure. Faut attendre le ding. Faut attendre le ding. Est-ce que j'ai pris... Ah j'ai pas ramené mon eau. Bon ben on se met dodo, je reviens tout de suite, je vais chercher mon eau. Voilà. L'eau ferrugineuse, oui. Je t'ai dit bonjour, Choumi. Ah, je me souviens plus. Bonjour, Choumi. Vaut mieux deux fois que zéro. Il va me falloir de la fenêtre pour la porte. Il va me falloir de la brique. On n'a plus de brique. Comment on avait fait pour faire la brique? Ah, on avait été chercher de l'argile. Ah, j'en ai. Donc ça, il m'en faut 3. Hop, hop. Il me refaut des... Hop. Bon, on a de la perte, mais c'est pas grave. Hop, hop, hop. Je pense qu'il va me falloir des trucs. Oui, il me refaut de la brique. Il me refaut de la brique. Bon, on va aller se faire de... On va aller chercher de l'argile. Tac, 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 tac. Ici, banco. Ah bah non, c'est tout bon. Non, c'est de la brique qui manque. Il manque ici le... Ah bah non, il y en a que... il en manquait que deux. Et bah, je vais en gagner encore une de brique, là. Et donc, ici, j'en installe un deuxième. Belle fenêtre. Top, 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 top. Ah oui, il y a les poutres. Il y a les poutres qui maintiennent la sablière, qui maintiennent la fêtière. Par contre, j'ai plus assez de... Ah, brin. On va passer là, ouais. Ouais. On s'en moque de consommer du... Alors, attends. Je vais mettre... je vais ranger quelques trucs, là. Lui, a priori, j'en ai plus besoin. Lui, j'en ai plus besoin. Ouais, ça c'était pour rigoler, mais bon, on va le garder sous le coude. Hop, hop. Qu'est-ce que je vais ranger? Le... Je vais ranger ça pour l'instant. Faut que je ramène de l'argile. Hop. Ça, je vais le garder. Ben ça, on va le... le mettre là pour l'instant. Tout ce qui est bois d'acacia, on va se le mettre là. Ah oui, il me faudrait du chêne aussi. Ben j'ai tout ce qu'il faut pour aller couper du chêne. Hop, 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 hop.
Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Ça me rappelle, moi et Madame Z, quand nous étions jeunes et amoureux. On est toujours amoureux. Est-ce qu'on le replante? Ouais. Ça serait peut-être pas mal. Ça serait sympathique. Hop. Où est-ce qu'il y a des chênes? Où sont les chênes? Et là où il y a de la chêne, il n'y a pas de plaisir. Là. Tap, ta, ta, ta. Qu'est-ce que c'est que ces trous tout moisis là? Mets-toi dans le bon sens. Quand même pas compliqué. Pouliou. Et on a déjà bien consommé tous nos cookies là. Merci Ubis. Et bonjour à toi. Ah Brian, il en reste un. Bon, et comme je veux pas dépenser du tout mon... Est-ce que un des objectifs secondaires de la saison 2, ça sera de le top 1 cookie? Et le top 1 cookie, il va quand même être chaud à voir. Bon, là, c'est bon, allez, en 2995, alors que les cookies sont en 3468, hein, il faut pas trop gratter quand même. Il faut pas trop gratter quand même. Ce qui va surtout être embêtant, c'est la pioche et la pelle, mais je pense qu'on ira chercher de la netherite. Hein. Le problème, c'est que si pour aller chercher la netherite, il faut que j'utilise ma pioche. Parce que dans le nether, la pioche en fer... On va quand même pas utiliser de la TNT. On va quand même pas utiliser de la TNT dans le netté. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Parce que là, on peut en faire masse de la... Ah, la poudre à canon, y a moyen d'en avoir avec Créat? Non, je crois pas. C'est que les creepers. Ah, 25% de chance avec du zinc concassé. Bon, allez, replantons nos chênes. Il n'y en a pas grand de chênes, c'est surtout des acacias ici, hein. Oh vache, on s'est fait avoir. C'était nous qui les avions ramenés, ces petits sacripants. Il n'y a pas de chêne. Ah si, il y a du chêne là-bas. Ouais, il y a du chêne de l'autre côté. Ah ouais, les bruitages, c'est quand même le plus de cette chaîne. Vous trouverez sur peu de chaînes des bruitages d'aussi bonne qualité, quoi. Vous allez avoir des gars qui rajoutent des mods avec bruit d'ambiance. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la qualité. C'est pas le truc fait à la main, quoi. Enfin, à la bouche. Là, c'est quand même. On est quand même sur un autre. Clairement sur un autre niveau, quoi. Hop, allez. À chaque fois, on replante. C'est le durable. C'est le durable. Au passage, peut-être qu'on va commencer à prospecter l'argile. Alors l'argile, ouais, j'ai une pelle en fer. Oula, crème à long. Qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Déjà 9. Il y en a là-bas aussi. Elle est bizarrement installée, cette argile. Hein.
Ça me gêne de laisser des trucs comme ça là. Hop. Alors, oh c'est quoi ça? C'est de l'eau crume. Oh le crume c'est ce qui donne de l'or. Ouais, c'est pas... Ah du zinc. Ouais mais... Ça va être très très long hein, si on veut pas utiliser la pioche. Ah zut, il est déjà... Ah ouais, mais là je le concasse. Ah oui, et c'est le concasser. Le concasser, on le passe à la flotte et ça donne de la poudre à canon. Ah cool. Cool, 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 cool. Ouais mais ça va pas... Attends, faut que je me mette bien là, parce que ça va pas cette affaire là. C'est pas gagné hein. Non, il était bien, il était bien. Change pas de main. Oh, il y en a encore un autre. On va y arriver, on va y arriver. Don't panic. La pioche en fer fonctionne aussi, demande Xtra. Je sais pas, elle était à combien? Ah oui, 2347. Ouais, on peut. Faut pas que ça dépasse les cookies. Donc on peut l'utiliser un petit millier de fois. On pourrait se faire une pioche en fer. Ouais. Oui, admettons. Oh, damned. Je crois qu'on a fait une bêtise là. On a ouvert la boîte de Pandore. Je les ai tous récupérés. Ouais, c'est cool. Par contre, pour ressortir de ce machin, c'est quoi? C'est un piège, ça? C'est une honte. C'est une honte. Alors, il n'y en avait pas d'autres, ici. Plop. Bonjour, monsieur le mouton. Hop. Il y en a là. Il y en a là. Pourquoi c'est toujours... Ça se glisse sous la terre, là. J'en ai 39. 39, ça sera peut-être suffisant. On va déjà les faire. De toute façon, il faut qu'on rentre manger. Faut qu'on rentre goûter. Non, faut qu'on rentre dormir. Pop, pop, pop. Et on va peut-être se faire une petite pioche en fer après. Ils sont tous au lit. Je veux sortir. Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Par contre, ça veut dire que il faut recommencer l'histoire avec les niveaux et tout. Nanana. Parce que on va la... Hop. Pioche en fer. Ça, j'en ai vraiment pas besoin. Raccommodage. Donc il nous faut... 3 bouquins, je pense. Raccommodage et efficacité 5, solidité 3. Moi, ça me suffit. Hein. Est-ce qu'on a, on a pas besoin de toucher de soi? J'aurais tendance à dire non. Hop.
Racco. Et hop, un bouquin raccommodage. Un bouquin solidité 3. Ah oui, mais efficacité, ça sera qu'une efficacité 3. Il faut que j'en achète 2. Pour avoir au moins une efficacité 4, quoi. Allez, il est cher en plus. Ouais, il m'en faut 2. Il m'en faut 2, puis il m'en faut plus. Il me faut plus de pognon, hein. Il me faut plus de pognon. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac 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 ta 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 ta. Hop, donne-moi 2 livres. T'es à combien? 28. Ah, hop hop. Ah ouais, touché de soi à 13. En plus, t'es un arnaqueur, toi. T'es un arnaqueur. Est-ce que on peut le fusionner ici? Coup 4, efficacité 4. Donc j'ai plus que 2 niveaux. Raccommodage. Ah, ça coûte 2 niveaux. Et j'ai plus d'XP. Salut Lynn. Et merci. J'ai plus d'XP. Est-ce qu'il est l'heure de goûter? Pas encore. Va falloir commercer avec ces chenapans là. Bande de petits chenapans. Pendant ce temps-là, l'argile. On fait deux choses en même temps, hein. Et oui, on est multitâche. Oh, pas ça, pas ça, pas ça. Ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Faut le casser à la main. Ah, ou alors attends, je l'installe. Si j'utilise ce système là. Ouais, c'est bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je vienne l'installer ici. Hop. Hop. Oh, ce qu'il est futé le Z. Voilà comment on utilise Créate à fond. On est full Créate. Et après, en restant ici, ça devrait marcher. Il n'y a pas besoin de se déplacer. On va aller les cramer. Salut Lola. Cramez-la. On va les cramer là. Cramer là. On va les cramer, les cramer, les cramer là. Non, attends. Streamer français, Lola. Con la lingvon. La lingvo esperanto. C'est Vestias Paroli Esperantan. Attends, c'était pas fini. Oh, plus de cookies. On est en rade de cookies. Mais c'est terrible. Hop.
Bah, je vais le poser là et je vais chercher les cookies. On peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. Hop. Tous les 6 cookies, on est obligé d'en manger un. Le rendement est positif. Mais c'est le dernier. Hop, un stack de cookies. Alors, ah oui, attends, on avait mis des trucs à cramer. Faut aller chercher. Hop. Hop, et j'en ai encore. Attends, je vais les mettre. Pendant ce temps-là, hop, je me fais mes briques. 23 briques? Ah oui, avec un stack de briques, on en fait 16. Ah ouais. Ah ouais, j'ai dit Ah oui, j'avais 39 argiles. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Oui, il faut que ça divise par 4 le nombre de... Ça fait mal. Eh oui, 39. Alors, attends, il faut ranger son inventaire. C'est important, les jeunes. Si vous voulez aller loin dans Minecraft, il faut ranger votre inventaire. Et il me faut de l'XP. Alors, le truc concassé. Il faudrait que je le ramène à la maison. Donc, je vais le garder sur moi. Il fallait que je prenne... Oh, déjà un cookie à manger. Il fallait que je prenne du... Silex. Ce qu'il y a, c'est que je vais pas en avoir beaucoup là parce que j'ai un inventaire de brins. Alors, où sont les pénibles? Ouais, toi. Déjà bloqué? Oh, feignant. Attends, ils sont tous en train de se barrer là. Ils sont tous en train de se barrer. Il fait nuit, il va faire nuit. Moi j'en ai marre. Bon, j'ai 5 trucs. Je peux peut-être déjà claquer un bazar, non? Allez, où ma pioche? Alors, accommodage. Est-ce qu'on vient essayer de lui claquer efficacité 5? Coup 6. Solidité 3, coup 4. C'est bon. Donc maintenant, le prochain, ça sera lui. Il me faut 8 XP. 8 niveaux d'XP. Hop, à moi, à moi. Faut le temps qu'ils reviennent là, les oiseaux.
C'est les plus tard à se mettre au boulot, les fléchiers, hein. C'est pas où ils sont partis glander. Ils sont au bistrot. Ils sont au bistrot, à tous les coups. Tu veux pas devenir fléchier, toi? Ah, en plein. Hop, niveau 5. Et il est bloqué. Je vais rechercher du silex. C'est les derniers, après j'en aurais plus, hein. Parce que j'ai démonté la machine à faire le silex. On en refera peut-être une dans le... Si on fait... On... C'est pas si on fait, c'est... ça sera dans les objectifs. On fera une maison pour les PNJ. On refera une machine à silex dedans. Hop, tiens. Non, toi, c'est toi alors. Vous êtes tous les deux bloqués, les gars. Oh non, non, débloquez-vous. Non, faites pas... Non, me faites pas ça. Me faites pas ça. Oh non. Bon, je pourrais leur filer du bois, mais il faut que j'aille... C'est pas la même mayonnaise, quoi. Surtout que j'ai pas forcément beaucoup de place. Hop. Ah, ça y est, il est débloqué. Bon, tant pis, on est parti avec ça. Bah, j'ai du silex. Attends, je vais te refourguer mon silex. J'ai du bon silex dans ma tabatière. En plus, il y a promotion. Il y a des promotions. J'ai du bon silex. Qui n'en voudra. Oh, ça y est, déjà bloqué. D'un autre côté, 19. Non, 19 plus 14, c'est bon. Je peux encore un. Hop, toi là. Viens là. Feignard. Je suis au niveau 9. Donc c'est bon. Allez, hop, pop. On met les. Il me reste du silex. Pouf, 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 pouf. Voilà. Allez, où ma pioche? Tac, tac, tac. Et voilà. Hop. Une très très belle pioche en fer. Raccommodage, solidité 3, efficacité 4. Bon. Elle fera l'affaire. T'avais pas entendu le I et le L? Donc je vais aller chercher du silex. Ouais, ok. Vous êtes vraiment des petits voyous. Allez, hop. Où on en est? On a fait chez deux côtés. Et pendant ce temps-là, les trains y tournent. Pendant ce temps-là, les trains y tournent. Il est midi. Alors là, j'avais pas fini parce que... Donc là, à ce niveau-là... Vache, comment elle est compliquée, dis donc, il y a encore des petits... Bon, ça, on va pas le faire, hein. Mais il y a des petits... des petites lucarnes entre les deux chiens... Entre les deux chiens assis. Ah, vache, comment ils ont complexifié le truc. Bon, c'est une gare de 1907, hein. Donc, ça plaisante pas, hein. Mais bon. Et de l'autre côté,
Ah oui, du truc, il y a l'horloge. Il y a la fameuse horloge. Bon, donc il faut que je pense. Je pense qu'il faut que je fasse un. Il faut que le toit il démarre au-dessus. Donc un rang de briques au-dessus de ce rang gris ici. Le rang gris il est là. Il faut un rang de gris, un rang de briques qui se voie. Sinon. Alors moi ce que je ferais bien, là il n'y en a pas. Ouf. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Aïe. 3 coeurs et demi quand même. Ça commence à pétouiller. On va faire un petit. J'ai des bons coups de lag, moi. 16 FPS. Attends, je les avais mis où? Ah, j'avais dû les remettre là. Hop, hop. Je vais en prendre d'autres. Vous savez quoi? On va la prendre. Cette machine. Est-ce qu'on reclaque ouais, sinon ça va faire drôle. Mais là, on va peut-être tenter une rangée comme ça. On va voir. De toute façon, faut pas qu'on reste sur du gris. Ah oui, mais alors à ce moment-là, ici, c'est pas un... Faudrait faire un... Hop, un comme ça. Hop, donc ici ça et ici ça. Allez, on va les voir ce que ça donne. Salut Freud. Aïe. Ouais, ça va le faire. Il faudrait que je fasse les petits supports là des toits et je pense que je vais utiliser des barrières de des barrières d'acacia et on va les poser. Et bonjour à Madame Félina. Bien entendu, bonjour à Madame Félina. Hop, hop. Alors, je m'aperçois, avec horreur, que ce n'est pas très, comment dire, symétrique. Mais qui a fait ça? Bon, il va m'en falloir 4 autres. Là, il en faut. Ah, je suis trop petit. Je suis trop petit. Bonjour, Philbur. Oui, trop petit. Quoi que c'est là.
Il en manque un ici. Bon, ça se fait. C'est honteux, c'est honteux. Hop. Ouais, il est ictat. Il est l'heure d'aller se coucher. Ah. Ouais. Du bois d'acacia. Je l'ai mis là. Hop, hop. De la brique. Bon, il y aura de la fenêtre, mais je viendrai la chercher au moment opportun. Je vais récupérer ça. Das Gut. Par contre, là, le zinc concassé, je vais le laisser là. Parce que ça, j'en ai pas trop besoin. Alors. On va faire pareil devant, puisque tout ça est plus ou moins symétrique. Je vais manquer un peu de briques. Alors au-dessus, c'est pas censé être visible, remarque. Puisque ici, c'est là où on va avoir... où on va avoir les briques. Il est quand même un peu compliqué, ce bazar. Je vais vous le mettre... Je vais vous le mettre à gauche... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça c'était là. Ouf, je me suis demandé poup poup poup. Salut Natix, c'est merci. Ouais, parce qu'en fait, le truc c'est si je mets des briques. Il faudrait que je récupère ça aussi. Pour faire le sol. J'en ai plus ? Toniche ? Nine ? Bon bah va falloir aller en cramer. Tiens, le truc est... ouais, j'en ai plus apparemment de roche lisse. Ah si, si, j'en ai là. Ok. Bon, faut que je transforme ça en... Ben, je l'ai sur moi, je vais le mettre là-haut. Hop. Oh, c'est un peu sombre ici. Ah oui, ben on avait mis de la lumière. On avait mis une lumière, hop. À deux crans du bout. Un petit peu plus Il reste des places libres dans l'inventaire. Ah oui, parce que c'est un inventaire bien rangé, monsieur. Alors attends,
Ouais, j'ai posé ça. C'était pour faire des dalles. On veut des dalles. On veut des dalles. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hop. Je vais me poser le tour pour savoir où je vais mettre mes fenêtres. Oh, bravo. Et voilà comment on cache ses stats de pioche. En posant mal les trucs. Déjà pu. Je crois que je vais... Non, je vais peut-être pas tout faire. La moitié. Déjà pas mal. Ouais, 46. Yes. Alors yes, c'est l'yes espéranto, hein. Espérantiste. C'est pas l'yes anglais, hein. Attention, ne vous méprenez pas. N'allez pas vous dire... Oh bah tiens, le Z il se met à parler anglais. Ça me ferait mal au... Vous voyez ce que je veux dire? Ça me ferait du mot. Les problèmes de serveurs pas accessibles, c'est pénible. Fin de la semaine, on est mardi. Ouf. Il est moyennement réactif, Oshgore. Bon. Alors, les fenêtres. Il va m'en falloir 3. 3 de ce côté-là. Tac, 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 tac. 2 de ce côté-là, puisque là, on aura une horloge vers le village, vers l'extérieur. Et ici, on en aura une ici et une ici. Donc à chaque fois, ça doit être des doubles. Ça est des doubles. Donc, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2, il en faut 14. J'en ai 4. Oh, j'en ai 20. Mais après, c'est le premier niveau, ça. Il en faudra d'autres. Il en faudra d'autres. Je vais peut-être... Oui, parce qu'en fait, il en faut 28. Je vais peut-être les faire tout de suite. Mais là, j'ai un inventaire qui commence à être un peu problématique. Dirait-on. Attends, toutes celles-là, je vais les transformer. Hop, voilà. Ça me fera une place libre. Ça, on le ramènera, c'est du créat. C'est pour tout à l'heure, c'est pour aller faire l'affichage à Perpète-les-Bains. J'ai encore un bloc de terre, là, que je me demande ce qu'il vient faire là. Ah, puis celui-là... Ah oui, je les ai pas fait. Faut que je le fasse. Faut que j'en fasse des trucs, hein. L'établi, j'irai le poser là-haut, ça va être bon. Donc, du verre. Où est le verre? Ah, plus de verre? Oh non, ne me dites pas que j'ai plus de verre. C'est un... Ah! On a plus de verre. Chef, on a plus de verre. Bon, ben, on va en cramer. On va l'en cramer. On en crame 16? Ouais, ça va le faire, 16. Allez, hop. Donc en bas, on peut boire la bouteille, Freud. Regarde, tu prends ta bouteille, tu la décapsules, tu la mets à ta bouche et tu soulèves l'arrière de la bouteille. Il faut que l'arrière de la bouteille soit plus haut que le devant de la bouteille. Enfin, le... Alors, le dessous de la bouteille soit plus haut que le dessus de la bouteille. Et glou, et glou, et glou, et glou. Il est des nôtres. Il a bu à la bouteille comme les autres. Évidemment, c'est de l'eau. Pour la démo. Ouais. Mais ça marche avec tous les liquides. Même le ketchup. Pour ceux qui seraient adorateurs de cette cochonnerie.
Ah bah rien qu'à y penser, j'ai envie de reboire un coup. Alors, où qu'on est? On va faire des trucs blindés. Il me faut de la pépite. Pépito, ma corazón, pépito, pépito. Je sais pas si c'est ça les paroles. Six. Pap, 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 pap. Et voilà, j'en ai 36, ça devrait être bon puisqu'il m'en fallait 28. Je range ça ici. Important de ranger votre inventaire, les gars. C'est important. On plaisante. Il y a des choses avec lesquelles il faut pas plaisanter. Et l'inventaire, faut pas plaisanter. Quelle heure il est? 18h03. Normalement, ça va sonner. Ding ding. Ding ding. Ding 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 ding. Voilà, ça sonne. Hop. Où j'en suis? Fallait que j'aille installer mes... Ah oui, fallait que j'installe le bois. Alors. Parce que ici, vous êtes sur la chaîne du RP. Donc si on installe une sablière et une fêtière, eh ben on met des poutres entre les deux. Voilà. Sinon, c'est pas repeu. Alors c'est repeu légal, c'est plus légal plus que repeu. Repeu étant la traduction, étant l'anglais de JDR. On joue un rôle. Je suis un employé de la ZNCF. Je suis le directeur de la ZNCF. Attention les yeux. Alors, ici, on a 6 de large. Donc il faut qu'on s'installe ici. Donc ici on a une fenêtre. Vous avez des toits comme ça aussi à Angers? Ici on a une fenêtre. Ici au milieu on va avoir une fenêtre. Donc il faudrait calculer le milieu. Combien on a de large là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je compte 4. 1, 2, 3, 4. Et j'installe une fenêtre. Et j'installe une fenêtre. Hop. Donc là, je vais avoir des pignons. Ah oui, je vais manquer de briques. Alors là, on le fait en... On est censé le faire en pierre. Et là on va avoir une horloge. Alors je sais pas du tout comment on va la représenter. Pour l'instant on va mettre ça. Donc là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon, c'est au milieu. Pop, pop, pop. Oh brin, le quark de brin. C'est bon con. J'espère qu'on la casse pas. Si, elle s'est cassée. Oh merde. Ah, il fallait que je prenne la touche de soie. Bon. Elle est pas là, hein. Elle est pas tombée sur le truc. Ouh. On va les virer.
Non, elle est pas sur le balcon. Bon, et ben on en a perdu une. Heureusement qu'on en avait plus. Ici, ça va être de la brique. Et a plus de briques. Ah, c'est marrant. C'est marrant comment ça fait. Hop. Ah oui, ouais, mais j'ai pas le réflexe. Ouais. Si, Hotbug dit si c'est du créate, ça devrait être récupérable avec la clé créate. Ah non. Non, ça marche pas avec la clé créate. Ah, tout marche pas avec la clé créate. Ah. Mais c'est génial. Bon, après j'en avais de plus, hein. Bon, on va les refaire du... On va les refaire, on va aller rechercher de l'argile. On va par là. Alors, on va prendre le toboggan. Attention, lui, on le tape pas. Hop. Là, c'est du gravier. Tain. Poulpe. Poulpe. Non, on n'est pas là pour ça. Oh, déjà? Attends, je voudrais bien savoir combien j'en ai. 12. On va aller jusqu'au stack. Puisque un stack de d'argile, de blocs d'argile, donne un stack de briques. De briques. Et non pas de briques. Briques. Attention, j'en ai plus que deux. Aïe! Crève-en, non. Heureusement que j'ai mes cookies. Vous remarquerez que les cookies dans Minecraft, quand tu peux les manger dans l'eau, ils ne deviennent pas spongieux. Et humide, il reste croquant. C'est quand même du top, hein, les cookies Minecraft. C'est quand même pas comme les cookies du commerce, hein. Oh, vache. Je ne veux pas mourir. Non mais ça, le chanté qui fait venir la pluie là. Ça marche pas par par internet, Natix. C'est que chez moi qu'il va pleuvoir. Alors j'espère que j'en ai pas oublié là-bas. Parce que des fois, c'est hyper vite fait d'oublier un petit cube. Un petit cube. Allez hop. Voilà, on peut même manger sous l'eau. C'est formidable. Ils ont pensé à tout chez les Suédois. C'est pratique pour goûter à la plage. D'un autre côté, avec le climat qu'ils ont, ils doivent pas aller beaucoup goûter à la plage, hein. Hop. Bonjour petit Luc et merci. J'étais où? Poulpe. C'était où? Oh, j'ai pas dû en oublier. On les verrait. Aïe. Non, je le fais pas exprès pour manger des cookies. Ah ben il y en a alors. Eh ben voilà, on l'avait oublié. Hop, 52. Il y en a là. Pas beaucoup. Mais c'est toujours bon à prendre. Hop. Oh.
Pan-lan. Pan-lan. Aïe! Mais... Crève-un, non! Oula! Un puits! Oh, de la... Ça vaut le coup, ça! Ah oui, mais pas avec la touchée de soie! Elle est pas touchée de soie, ma pioche! Oula! On va mourir, on va mourir! Et là, hop, on est à l'air libre. C'est une technique sans tricher. Pas comme avec les portes, quoi. Ouh là, c'est franchement, franchement de la triche, quoi. Allez, j'ai assez de... Ah, maintenant, faut sortir. Ah. Hop, hop. Est-ce qu'il y en a encore de l'argile dans le coin? Il y en a là, il y en a là. Il y en a moult. Et en plus, on va pas se noyer. Ah, zut, ça c'est du sable. Ah, l'erreur. Ah, l'erreur grossière. Je vais le remettre. On en a assez, on a 64 stacks. J'aime pas laisser les trucs dans cette... J'aime pas laisser les trucs... Oh vache, il va faire nuit. Et on est loin. Oh, c'est pas bien éclairé ici. C'est pas bien éclairé et vu que c'est des dalles, ça va pas être évident de placer des lanternes. Ouais, il faudrait que je dépose. On fait des trucs dans ce style-là et hop. Dire que c'est suffisant. Sinon après faut en mettre plus style ici. Hop. Bon, on a le truc, il faut aller le cramer. Chercher des cookies. C'est dingue ce qu'on consomme comme cookies. Hein. Attends, avant de les cramer, faut les péter. On va s'installer notre petit système ici. Plaque, plaque, plaque. On est
bien curieux, Stylo. Rien demandé, moi. Oh! C'était Antonul. Et bonjour à toi. Je crois que ça ira encore plus vite à la main. C'est un peu lourd les PNJ, hein. Oh vache, faut que je mange. Non, il n'y a pas de gravité sur les blocs d'argile. Bah non, hein. C'est logique. C'est de l'argile. Non, mais il y a une logique, hein, derrière tout ça. C'est pas des petits grains gris. C'est de l'argile, c'est du costaud, c'est du solide. Oh vache. On n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Je vais en tuer un avant la fin de la session, avant la fin de mon stack. Non, c'est pareil. Salut Véronimich. Oui, merci. C'est pareil au niveau nombre. Par contre, c'est le broyeur. Ça, dans le broyeur, un bloc d'argile en donne que 3 et 50% de chance d'en avoir un quatrième. Alors que à la main, avec une pelle ou avec cet ustensile-là, on en a 4. Ça remplace la pioche en fait, la pelle. C'est, je l'utilise pour pas augmenter mes statistiques de pioche et de pelle. Oh, je vais mourir. Ah. Je vais mourir de faim. Et c'est l'heure de goûter. Il est 16h25, on va goûter. Oh. Du coup, j'en ai mis partout. Je suis pas plein au niveau inventaire. Non, ça va aller. Allez. Ouais, l'endurance du perso, c'est pas ça, ouais. C'est hyper fatigant. Alors que c'est vrai, quand tu pioches, tu mines. Dans Minecraft, tu peux le faire pendant. Bah en fait, si tu meurs pas par accident, t'es immortel. T'es jamais malade, tu meurs pas de vieillesse. Donc tu peux piocher et miner jusqu'à la fin de ta vie. Bah faut manger quand même. Ouais, admettons. Bon, on va aller cramer ça. Puis moi je vais goûter. Hop.
Bon goûter les gens. Ça sent bon. En plus j'ai mis un max de chocolat dedans. Salut Chérine, c'est pas les vaches qui sont dissipées, hein, c'est les PNJ. Hein. Bon, voilà, c'est fini. J'espère que tout le monde a pris son petit goûter. Ça avance bien à bien, la notif te le confirme à chaque fois. Ah ouais. Bah une fois par semaine, ça avance. Merci Sacré-Pan, bonjour à toi. Bon, voilà. Alors, eh ben on a plus de cookies.
On va aller chercher des cookies. Il va falloir que... Et voilà, une stat pour rien. Ça me fait penser que en tournant dans l'autre sens, on pourrait rentrer des trucs dedans. Ce qu'il y a, c'est comment ça ressort après. Parce que là, on voit, il y a de la terre dedans. Hein. Il y a du blé, de la graine de... Du blé, de la graine de blé, il y a de la terre. Mais... Et il est en train de se charger encore en cookies. Il y a le train qui a dû passer. Ouh là, il faut que je mange. Ouais. Saleté de porte. Clic droit avec la deuxième main, il faut faire gaffe à quoi tu vises, quoi. Allez, on vise le stack. Et dans le principe, hop. Dès qu'on peut manger, on mange. C'est comme ça qu'on arrivera au top 1 cookie. Je pense que ça sera un record Guinness Book, hein. Guinness Book des records, le gars qui a mangé le plus de cookies dans Minecraft, c'est moi. Oh, mais on a dépassé les 64 là, vous auriez dû me le dire. Ah, oh, brin de brin. Bon, bah tant pis. On s'y mangera, hein. C'est pas grave. On les mangera quand même. Allez, au boulot. C'est pas tout ça. Mais ça serait bien de terminer. Avant la fin du live, j'ai dit que c'était le dernier. Hein. Donc il faut qu'on se fasse les petits pignons là. J'ai pas trop d'idées de comment on va les faire. On va faire des essais. J'ai des blocs. On va bien voir. On va faire des essais et puis on va voir ce qui marche pas quoi. 11h34, c'est bon, on a du temps devant nous. Faudrait faire le tour des réserves avec un entonnoir en laiton. Et non pas en laiton, et un filtre négatif de cookies pour vider le brin. Ah oui, c'est le filtre, l'entonnoir en laiton, il sortirait précisément ce qui sort. Ce que tu demandes en fait. En négatif, en inversé de laiton, ou bien on se dit on veut les graines de blé, patati patata quoi. Bon, alors. Bon, on peut noter quand même que il y a une petite différence de toit entre ce petit pignon et ici on va l'appeler le grand pignon. Donc on va essayer de se faire celui-là. Alors, ah oui, on voit si on a une barrière, elle est à côté. Je pense qu'il faut qu'on essaye de se faire une... Faut qu'on voit de la brique au-dessus. Sinon, ça va faire moche. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on n'ait pas une base immense, quoi. Puisque... là, c'est pas du 45 degrés, c'est plutôt du 60. Hein. Donc, ça serait le style brique. Bloc
escalier et pas escalier. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de truc. Bon, là je mets deux briques dessus. Et donc on serait ici. Là. Donc on déborde, hein. Et là, ici. Alors là, on n'est pas bon. Ah oui, on est obligé de le casser. Ah ouais, oui. Eh ben, on va le casser à la main. Voilà, ça sera notre punition. Tu fais une erreur, tu la payes. Oh, ça va encore. J'ai cru que ça serait plus dur. Style comme casser l'andésite à la main. Hop. Hop. Bah hop. Pas l'andésite, l'obsidienne. Où ça dure un certain temps. Alors, là, il faut normalement. Aïe. Descendre encore d'un cran. Et c'est là qu'il va y avoir un problème. Parce que là, on est censé. Avoir. Notre tour ici. Mais bon, ça va peut-être pas faire drôle. Je vais aller le mettre. Je vais le mettre. Pour voir. Pour voir. C'est juste pour. C'est juste pour rigoler. Et donc ici, on serait là, là, et là, on serait là, forcément. Donc ici, là, 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 on va pas le mettre, sinon après on n'arrivera plus à passer. Et ici, ici, ça devient compliqué. Parce que là, on a le pan coupé. On a le pan coupé sur le côté. Avec une avancée qui est au moins deux fois l'avancée qu'on a ici. Ici, on a fait une avancée de un bloc. Là, il faudrait faire une avancée de deux blocs. On va aller voir ce que ça donne. Ah. Ouf. Ça fait manger du cookie, tout ça. Bon, toi, tu gênes. Ah, on passe pas. Ah, je suis déçu. Je pensais qu'on passait. Ah. Bon, ben, on passe pas. Tant pis, on va faire le tour. Bon, de voyous. Ouais, ben là, tu... Ah non, tu nous gênes pas. On va voir quand même. Alors, dans la vraie vie, c'est plus pointu. Mais moi, j'ai pas trop envie de le faire trop pointu. Forcément, j'ai des cookies, ça passe plus. Après la grosse tête. Ah. J'en ai encore.
Attends, il y en a plus. Il y en a encore. Me dites pas qu'il est l'heure de dormir. Hop, et si. Alors. On va donc se faire le petit pignon là. Alors comme il est à la même hauteur, c'est-à-dire que si on met deux rangs de briques, on aura la même chose. Ça me choque pas forcément. Dans la vraie vie, il est plus petit, hein. Eh oui, on a fait une bêtise. Eh ben voilà. Bon, c'est pas un, on n'est pas parti sur un toit simple, hein. On finit en beauté, je trouve. Hop. Tac, tac. Celui qui a proposé cette gare, je me souviens plus qui c'est. Et on pourra lui rappeler que... On pourra lui demander ce... Est-ce que t'avais repéré que... Et que c'était aussi difficile que ça. Bon. Ici, on va donc... Ah! Oui, j'ai de la vitre. Il faut monter la vitre de deux crans, Madame Muller. Hop! Et hop! Et hop! Donc, ici, on a brique. Ici, on a brique. Alors le truc c'est que là, la fêtière... Ouais. Il faut que le... Il faut que le pan coupé, donc il doit faire 4 de long, il soit à... À deux blocs du truc. Ça veut dire... C'est pas ça que je voulais faire, hein. Donc il faut qu'il soit ici, ici. Ici on se met... Comme ça. Le problème c'est que là-haut ça monte pas. Et là, il faut qu'on descende à ce niveau-là. Au même niveau. Donc, il faut qu'on descende de 2. Donc, ça veut dire que là, on est comme ça. Là. Alors, normalement, il se rétracte. C'est-à-dire que celui-là devrait pas être là. Enfin, j'ai dit que j'assumais mes erreurs et je le cassais à la main. Viens. Viens. Viens, viens, viens. C'est une romance. Salut Kaiser Slab. Donc là on fait pareil.
qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé que le pan coupé soit plus grand. Dans la vraie vie, il est quand même assez grand. Alors que là, il fait juste un bloc, quoi. Juste un escalier. Mais bon, on a le retour là qui doit être. Par contre, je vais faire comment pour descendre là? Oh bah, je suis obligé de sauter, hein. Je suis obligé, hein. Ah, pas le choix. Aïe. Ça va, on s'en tire bien. Je pense que ça va aller. Ça va le faire. Ah, je vais le récupérer celui-là. Du coup, ici, celui-là, c'est là. Celui-là, il est là. Et là. Oui, il a fait tir. Ah, si, ça va monter. Si, si, ça va monter, c'est bon. Il scoot. Ya! Mein camarade. Faut juste que je mette deux blocs là. Tac, tac. Et là, on va avoir la fêtière ici. Donc, ici. Et ici, on va se mettre comme ça. Je suis trop près. Tac. Et tac. Ouais, nickel. Ouais, c'est bon. Je crois que nous aimons ça. Et donc, ici, ça, je le casse. Bon, obligé, hein. Pop, pop. Ici, je l'ai pas mis, c'est bon. Hop, hop, hop. De toute façon, faut que je fasse la même chose après sur les autres. Ouais. C'est-à-dire à chaque fois. Ouf. Ah ouais, le sol est pas complètement fait. C'est ballot, c'est dangereux, non? On va peut-être remédier à ça parce que c'était pour une histoire d'éclairage, je pense que j'avais fait ça. Mais c'est vrai qu'après coup, en y réfléchissant, c'est plutôt dangereux. Allez, je vais tout faire. Oh, un minou. Minou, minou. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Tac. Ah oui, salut Glantosaure. En utilisant les dalles verticales en framètres, tu peux avoir un toit plus pointu. Ah oui. Ouais, exact. Ouais, j'y pense pas. J'ai pas encore le. On n'a pas le réflexe, hein. J'ai pas le réflexe. C'est moche, ça. On n'a pas le. Alors, je vais en mettre un là. Et oui. Tout à fait, t'as tout à fait exact. Mais vu les effets que j'ai, les essais que j'ai fait, alors si on voulait vraiment faire le reconstituer comme il existait, il faudrait faire comme ça. Mais là, ça me va. Ça me va et du coup, ça va être demander moins de ressources, etc., etc. On a un escalier au fait pour monter là-haut? Ah. Bah, a priori, ça devrait être ça, non? Si ça continue de passer là. Ouais, l'escalier devrait arriver ici. Alors, donc on va répéter une fois, deux fois, trois fois, ah trop, ce qu'on a fait là. Donc à chaque fois, une petite brique au-dessus. Pop, 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 pop. Bon, je le récupère celui-là. Voilà. Hop, hop. On l'a fait partout. Ah, puis là-bas. Ah ouais, mais j'ai plus de. Alors attends, j'en ai mis deux, j'en ai besoin que d'un. Je vais en enlever un des deux.
Et on va le reboucher parce qu'on est capable de tomber dedans. Parce qu'on est quand même des cadors, hein. Hop. Enfin, c'est surtout que dès qu'il y a un incident possible, c'est pour nous, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même pas de chance. Alors, eh ben ici, on sait qu'on est sur du... On est sur du 3. Et là-haut, on reste comme ça. Donc là, tac. Tac. Oh, c'est pas vrai que il fait déjà nuit. J'ai eu le temps de rien faire. Ah ouais, il y a une autre statistique, l'autre coup je regardais. Ouais, ouais, on va se coucher, on va se coucher. T'inquiète pas. J'ai presque intérêt à monter le lit là-haut. Vu que maintenant je bosse là-haut. Oh, c'est quoi le truc qu'il y a là-bas? Ah, c'est peut-être le... Ah bah non, c'est un chat. Oh, c'est un minou. Minou. Oh, minou. 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 Ouais, je vais monter le plumard là-haut. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Un truc hyper intéressant. Non, bah forcément. Ouais, parce que là, c'est la chambre du chef de gare. Oui, et ici, en fait, c'est comme s'il y avait une fenêtre. C'est exactement pareil qu'ici. Donc là, eh ben, on met... toc, 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 toc. Ici, on met toc, 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 toc. Et ici, on fait toc, toc. Et toc, toc. Ouais, ça roule. Et là, je l'ai pas fait. Donc ici, toc, toc, toc. Et c'est bon. Bon, ben, il n'y a plus qu'à poser le toit. Ah oui, nouvelle statistique. Le nombre de jours. Je m'étais dit, oh, ça doit, il doit y avoir 200 jours, quoi. Tiens, on va faire une petite... on est au 69e live. Combien de jours de jeu Minecraft? À votre avis, combien il y a de jours de jeu Minecraft? On va pas en avoir assez d'acacia. Je crois qu'on va pas avoir assez d'acacia. Hop, le truc le plus facile pour descendre, c'est de pas le mettre au rang. Comme ça, on trouve tout de suite. Bon, on va aller couper de l'acacia. Oup, aïe. Ta-ta-da, ta-ta-da. Hotbug 15 000. Alors, il n'y a rien à gagner, mais juste la satisfaction de dire ouais. Les remettre là où ils étaient. Si j'ai des... Oui, j'en ai. Alors, Chérine 3400, Natix 3400. Ah, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, j'aimerais bien qu'ils soient dans le même coin. Pourquoi je l'ai pas récupéré? Ah si, je l'ai récupéré, mais là... Ça serait bien que tout soit dans le même coin. Hein. Comme ça, hop, hop. Ça sera plus facile pour moi. Alors, ici. Il m'appelle Boulet. Jean-Pierre Boulet.
Alors Alex dit entre 200 et 300. Tu sais qu'un jour Minecraft c'est 20 minutes et 10 minutes si on dort. Et Tarantenu dit 1730. Toc toc. 4 ans et 1 mois. Poup 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 poup. Sur Holycube. Ah ouais, mais c'est l'âge du serveur. Sur Holycube, le serveur il a 150 ans. Hein. Pop 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 pop. Du coup, j'ai pas vu où il était le machin. Je me suis. Hop. Où est la. Une fois que tout le monde a donné son chiffre, on ira regarder. Ah, j'ai débranché avant le. Hop. Où est-ce qu'il y en a encore un? Ici. Combien j'en ai? 56, ça devrait être pas mal. Hop. Ah bah tiens. Hop. Ouais bah je vais poser ça là. Oh les bâtons, ça peut toujours servir. Hop. Plop plop. Je crois que j'ai un. Parce que là il faut transformer. Oh, je vais en faire pour l'instant un stack. Et nous on n'a pas le choix, on perd à chaque fois. Hop, voilà. 52. Alors on regarde. Statistiques. Ça c'est le temps de jeu, mais je voudrais voir. Ah non, c'est sur F3. C'est quand on fait F3. C'est quand on fait F3. Façinge, client leaked. Où il est le nombre de jours? Oh, il y a trop d'infos, il y a trop d'infos. Minecraft Overworld. Ah, day. Local difficulté, on est au 1371e jour. Donc je pense que c'est Tarantenul qui est le plus proche. Il avait indiqué 1730. Donc bravo à 350 près. T'es à 350 près de la solution. Donc on est au 1350e. Et je l'ai reperdu. Local difficulté, au 1371e jour. Toc 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 toc. Vous le voyez? Local difficulté, ouais, il est au-dessus. Il est, c'est deux lignes au-dessus de la fichette. 5 jours par heure. 5 heures par live divisé par 69. Ah, c'était logique.
Du coup, il y a du moment. Quand je suis comme ça, le jeu est en pause, hein. Donc le jeu se déroule pas puisque je suis en local. Ça doit être ça qui fait un petit peu la différence. Puisque des fois, j'ai mis des. On partait dans des explications de schéma et autres, et le jeu pendant ce temps-là était en pause. Ah oui, 5 heures par live. Oui, c'est des lives de entre 3 et 4 heures. Alors, donc, ici, on est là et on débloque de 1. Donc là, tac, tac. On va plus loin. Le problème, c'est que je vois rien. Le problème, c'est que. Hop. Ouais, on descend de 3. Donc, on en a encore un ici, là. Ouais, ok. Donc, celui-là, il est là. Et là, on en a un qui tourne comme ça. Et on l'a pas bien mis. Et on l'a pas. Et on l'a pas. Et on l'a pas. On l'a pas bien mis. Pas bien mis. Et donc ici, hop. Voilà. Tchac. Tchac, 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 tchac. Check. Donc ici, tac, tac, et là, tac, 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 et bah là on n'avait pas été jusque-là. Et il va déjà faire nuit. Brava, brava, brava. On va le mettre par ici. Parce que là, je pense qu'on descend de l'autre côté. Drelin, drelin, drelin. Après, on fera les quatre en même temps. Oui, là, on descend. On en a un qui est au niveau ici. Ah ben, on va le voir là. Donc, 1, 2, 3. Tac, tac. Et on vient faire le coin ici. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. Donc 1, 2, 3, il y en a encore un qui descend ici. Oh non. Oh, pas un. Et normalement, ça tourne. Puisque là, il va s'accrocher comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, il avance de 2. Et je vais aller chercher mon bout de bois. Comment je remonte après? Ben, c'est cuit. Ou alors faut faire un trou. On va faire ça. Ah bah tiens, on en a un autre à récupérer là. Voilà. Hop. Alors à chaque fois, on va faire, ben on va faire pareil, puisque comme ça sera plus facile.
Hop. Donc ici on vient là. Ici on vient là. Et on en a déjà pu. Ah oui. Eh. Là maintenant, on passe au stade industriel. Hein. On passe au. Je pense qu'on va en manger. Je pense qu'on va y passer 3 stacks. Alors là, on en a déjà presque 2. Parce que là, ça fait une. Mine de rien, ça fait une belle toiture. Hein. Ouh là là. Alors. Ici. Alors attends. Attends. Là, il y a un truc. Ouais, là, ça va pas. Attends, là, il y a un truc. La fêtière qui est ici, elle fait 1. Elle sort de 1. Parce qu'en dessous ici c'est cassé. Le pont est coupé. Donc la fêtière elle sort de là. Donc là je l'ai fait sortir de 2. C'est pas bon. Ouais cool. Elle est comme ça et elle est aussi comme ça. Tac. 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 Elle est comme ça. Là, on revient là. Tac. Donc là, on revient là. Et là, on revient là. Et on en a encore perdu un. Ouais, ça coûte des sous, ouais. Hop. Donc ici après faut qu'on aille voir. À partir de celui-là, je descends 1, 2 et je reviens là sur le bord ici. Ah oui, j'avais fait ça. Ah bah je l'ai ici. Ouais, donc c'est bon, mais après faut que j'en descende encore un. Ok. Et bonjour Molybdène, et merci. Donc. Oh, brin. Ça m'énerve. Je vous l'ai déjà dit que j'aimais pas faire les toits. Par contre là, ouais, là il faut incurver le truc. On est d'accord. Donc ça veut dire que celui-là il va pas là. Ici on en a un comme ça. Et ici. C'est bon. C'est bon. Là, éventuellement, on fera du remplissage à la dalle. Ouais, là, il faudra que je le fasse aussi. Par où on va passer? Ouf! Ah, je veux pas me faire écraser par le train.
Hop, hop. Il faudrait que j'arrive à monter dessus. Mais c'est pas possible. Non, une fois. Ok, mais deux fois. C'est pas possible. J'ai plus de... j'ai plus d'échafaudage. Il va falloir que je trouve un moyen pour monter dessus. Faudrait pas retirer les coins pour respecter l'inclinaison de l'avancée. Cela. Le problème c'est que... Ouais. Ce qu'il y a c'est que du coup celui-là va plus être tordu. Ah si, il est tordu si je l'installe comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut que je le casse. Et que je le remette comme ça. C'est une dalle ça. Oh, je gâchis que je fais. Ouais, donc faut que je l'installe comme ça. Pourquoi ici il n'y a rien? Parce qu'on les avait pas mis. On sera comme ça. Donc il faut voir ce que ça donne. Ça risque de faire drôle, non? J'essaye de me reculer un max. Parce qu'en fait, on voit pas que c'est en biseau. On se dit, il a juste oublié un bloc, quoi. Ce qui m'embête, c'est qu'on voit pas le retour, là. Mais sinon, dans le principe, oui, il faudrait. Mais là, le problème, c'est que... On se retrouve... Alors... On va mettre des dalles... Voilà. Ouf. On a amorti le choc. Bien vu, bien wesh. Et il est l'heure de dormir. J'en suis où? Et après la fêtière, bon bah elle continue par là. Donc ici, on sera comme ça. Tac, tac, tac. Et ici, plaque, plaque. Et là, bah ça continue. On va le mettre celui-là parce que sinon... Voilà. Hop. On va aller faire celui-là. C'est notre quatrième pignon.
Hop. Hop, hop, hop. Il a été se mettre sur le truc. Je sais pas ce que ça doit donner. Ah, il a... du coup, il a été se mettre là. Hop. Alors. Oui, on peut poser un toit par en dessous. Tout à fait, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc le petit du milieu, il arrive un cran, ouais, comme les autres. Un cran sous la faîtière. Bon, bah, on va aller faire celui-là. Et puis bah, après, il n'y a plus qu'à monter. Donc c'est pas... c'est plus compliqué. Boing, boing, boing. J'adore sauter sur les lits. Ça me rappellera toujours une petite séance dans maths. Il y avait Lynn, il y avait Dame Dodo, il y avait Akiza. Où on avait fait un petit délire avec les lits. Donc là ici, c'est comme ça... Tac, 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 tac. Hop. Et après, on repart. Ici. Tac. Et donc ici. Tac. Le début est compliqué, après, comme surtout sur les toits. Hop, une fois après, c'est beaucoup plus simple. Hop, voilà. Après, des fois, faut se méfier, il y a encore des pièges, hein. Mais a priori, ça devrait aller là. Alors, hop, donc, ici. Hop. Hop. Alors ici, hop, et après, bah, on finit la fêtière. Donc ici, comme on est sur du pair, c'est deux escaliers qui se... Oh, on a pu. Boing, boing, boing. C'est dommage, on perd pas de cœur. Alors, du coup... On va enlever ça, on va enlever ça. Celui-là on enlève aussi. Celui-là je crois que... Non, il passe plus non plus. On l'enlève. Et celui-là non plus. Voilà. Bah, pour monter, on va en faire un nouveau qui va passer en plein milieu. Juste à côté du lit. Voilà. Mais... J'avais tout fait. Il m'en reste 8. 8. Bon, bah, il va falloir aller recouper du...
J'allais dire, on a plus de... Après, il y aura les escaliers à finir. J'ai ma scie. Hop, allez, on va recouper de l'acacia. Tan 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 tan. Ils ont repoussé. Tan tan. Pas qu'il en faille. Oh, j'ai oublié de mettre la pousse. Je pense pas qu'il en faille beaucoup. On va encore en faire un. Voilà, ça fait 46. Ça devrait aller. C'est l'heure de dodo. Je pense que j'irai plus haut, plus vite d'en haut. Et je ferai du coup moins de bêtises. Celle-là, on mettra en dernier. Ah oui, mais... Blowing, blowing. Plap 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 plap. Il y a des cheminées, mais on va pas se démettre. Hein. Non. On a pas besoin de se chauffer, c'est une savane. Il fait toujours chaud.
Alors. Hop. Et c'est bon. Bon, là, on va mettre de la... Ah, vache, n'a pu. Voilà. Allez, il faut qu'on fasse l'escalier. Tu trouves que ça retire du cachet sans cheminée. T'es bizarre, toi. Hop. On va aller chercher des blocs comme ça, il m'en faut au moins 8. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas assez de briques. Je n'ai pas assez de briques. Et j'ai plus de blocs. Bon, ben, heureusement qu'on a du bâton. On a du bâton, on a du... On a de l'acacia. Tac, 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 tac. Il en faut quasiment le même nombre, non? Ah, je me souviens plus. Oui, c'est le même nombre. Donc, plaque 52. Et là, on se met dans la machine à truc et on a dit qu'il nous en fallait des escaliers. Pouf. On va en faire 12. C'est assez bon marché. Hop. Donc. Ah oui, ça va pas marcher. Parce qu'il va pas les placer. Ah si. Avec ces blocs-là, ça marche. Ok. Hop. Alors après le problème c'est... Bon, je vais le faire depuis... je vais le casser à la main. Est-ce qu'il me reste une place? Oui. Bonjour 4 mangas. Hop hop. Alors, plop. Bah déjà on va la regarder sans cheminée. Alors, côté. Ah, évidemment la vraie. Elle a le toit, elle a les toits un peu plus pointus. Hein. Salut Oya. Et salut Balou. Merci. Ouais, la vraie a des toits un peu plus pointus. Hein. Mais bon, ça lui donne, elle a de l'allure quand même. Hein. Comme ça. Par contre, je crois qu'il en manque un ici. Non. Non, pas ça. Non. Alors le fait qu'on n'ait pas cassé les coins, c'est pas trop gênant, je pense.
C'est probablement même mieux. Mais non, tout est sous contrôle, les gars. N'ayez peur de rien. Et de ce côté-là... Donc elle est plus haute, puisque on a un étage de plus. Ah, elle pétouille. Elle pétouille. Moi, je dis qu'elle pétouille. Elle pétouille. Elle est choupinette. Alors, on va essayer de passer de l'autre côté. Hop, 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 hop. Bonjour Héberlin et merci pour le joyeux non-anniversaire. À toi. À toi. C'est ici qu'il en manque une. Ah oui, alors du coup, on va pas réussir à le mettre. Ah, comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? On va être obligé de lui claquer un truc comme ça. Pop. Du coup, après, on peut... Hop. Alors, paf. Et là, on passe sur le toit. Et où est-ce qu'on pourrait lui mettre une petite cheminée? Alors, il y a les cheminées sont de chaque côté. Enfin, on a l'impression qu'elles sont de chaque côté. Elles sont assez symétriques. Et il y a l'air d'y en avoir à l'extérieur. Mais on n'a pas beaucoup de place à l'extérieur. Donc je vais les mettre plutôt à l'intérieur. Et je pense qu'on va les mettre... alors... Pas franchement au milieu. On va en mettre une là. Et on va mettre de l'autre côté, pareil. Donc à un cran de la... du retour ici. Hop. Alors pour le bien en dessous, il faudra récupérer le tuyau, le conduit et puis faire et puis mettre un petit pot pour faire le trou de la cheminée. Ça fait toujours cool, mais ça il faut de l'argile. Non, pas d'argile, pas d'argile. Il nous reste encore pour finir l'épisode d'aller mettre un tableau à Perpète les Bains et on aura complètement terminé. Ouf. Ouf. Je range un petit peu mon inventaire hein, parce que vous savez que c'est important. Oui, des petits pots d'argile. Alors on va aller se rechercher un peu d'argile. Il m'en faut juste. Il faut juste. Combien j'ai mis? J'en ai mis deux. Ah, je vais pas les voir d'ici. Il va être l'heure de. Il va être l'heure de dormir. Ah, il y a des gens qui... Bon, si on fait des modifs, il faudrait faire le toit un peu plus... Le toit un peu plus pentu. Donc, en utilisant des dalles... En utilisant des dalles verticales... Ça pourrait faire cool. Le lit, je l'ai sur moi. Je vais dormir là. En plein milieu de la gare. Ouais, comme un SDF. Et c'est plus possible maintenant, les gares sont fermées pour ils les virent comme ça. Dans le temps, c'était faisable. Tuk tuk. Bonjour Rodina et merci. Plop plop plop. Alors, oui. On va se méfier parce que ouais, y a un train qui arrive, mais on l'a échappé belle. On va chercher. Donc il me faut 6 boules d'argile. Ça devrait pas être compliqué, hein. Quoique, on a déjà fait tout le coin. On n'a pas été par là, non? Si, on y a été aussi. Ah bah. Hein. Oh bah tiens, hé. Oui, on fait tout à la main. On est des cadors.
Allez, j'en prends 8. J'en prends 12. Il y a les panneaux aussi à mettre. Ah, je voulais mettre des petites. je voulais mettre des barrières de. Mais je sais pas si ça va pas alourdir le truc. Sous chaque. Ouais, non, c'est pas mal comme ça. Ça fait. Faut pas que ce soit trop. J'aime pas les trucs trop lourds, moi. Mais ça, c'est perso, hein. Il y a des gens qui adorent surcharger leur bâtiment. Et là, c'est vraiment affaire de goût. Et moi, j'aime assez rester simple. Pop, 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 pop. Des barrières bleues du Nether ? Ouais, 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 Natix. Ouais, ouais. De toute façon, le Nether faudra y aller, mais vous le verrez en épisode, parce que j'irai chercher de la netherite. J'ai vu qu'on pouvait faire la poudre, on pouvait avoir de la poudre à canon avec Créate. Je crois que ah, il y a encore ça. Ah oui, attends. Hop. Attends. Hop. Et voilà, les petites cheminées. Oh brin. Coche. C'est vraiment une infection, ces trucs là. C'est toujours en train de se paumer partout. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? À déménager ça. Ah oui, brin. Déménager tout cet attirail là. Briques, les trucs. Je sais, mis là. Ah, les briques sont là. Ceci, j'ai le mode qui porte les coffres. Ceci. Ça, par contre, obligé de le taper avec la. Hop. Faut juste que j'enlève les cookies. Je vais aller les mettre où? Plop, 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 plop. Oh, ben on va les. Eh hey, c'est le truc de la gare. On va les mettre au premier. Oh. Ben non. Qu'est-ce que c'est lourd. On va les mettre là. Voilà. Non, faut. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Alors, là, c'est tout ce qui est créate. Hop. Hop, le deuxième de chez Créate.
On peut encore en mettre dessus. Mais les autres, c'est plus du brun, non? Pas ça, genre. Fermer les portes. Hein. Ouais. Ah, il y a des trucs intéressants. Solidité puissance 3. Ah oui, je voulais attendre d'avoir plein d'XP pour l'échanger. Allez, hop. Ah ouais, mais si je ferme les portes, ça va plus. Ah. Hop. Le rangement est efficace avec ce mode, hein. C'est ultra cool. Après, dans chaque gare, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait une clé. Faudra déterminer le minimum d'équipement qu'il doit y avoir. Et on se fera ça. Ça, faut que je le ramène, en fait. Hein. Faudrait que je le ramène. Mais bon, on aura encore l'occasion de faire des allers-retours. Donc là... Ah oui, il faudrait du... Il me faudrait des panneaux pour mettre le nom de la gare et puis mettre le quai. Ce qui est dommage, c'est qu'on soit pas en 1.20 et qu'on puisse qu'on ait pas les panneaux de traviole. C'est dommage. Il y a peut-être un mode qui le fait, mais j'ai pas envie de rajouter de mode. J'ai envie de continuer avec les petits modes qu'on a. Alors ce qu'on va se mettre, c'est un petit équipement. Et ça aussi, on pourrait avoir ça dans chaque gare. C'est pas bien compliqué à refaire. De toute façon, on a une machine à faire. Et éventuellement, le petit fourneau. Pour faire cuire les cookies. Eh non, il n'y a pas besoin de les faire cuire, les cookies. C'est automatique. Tiens, ça, on va peut-être le mettre au milieu. Ça va être mieux. Donc ça, on le déplace. Il me faut du bois. Du bois j'en ai. Ouais. 12, ça serait pas mal. J'ai plus de... J'ai plus de bâton. Ah. Hop. Bon, on va faire des bâtons avec le bois de sapin. Hop. Oh mais... y arriver. Hop. Et pouf, 6. Du coup, faudrait peut-être un panneau, ouais. Oui, un panneau. Des petites barrières. 2. Et hop. Faire déjà nuit. Alors, donc on est à trifouiller les oies. Dormir.
Donc là, on va mettre un... Donc on arrive ici. On va mettre un panneau là. Donc quai 1, voie 1, express, perpète, LB, les bains, arrêt A, péta ou schnock. Donc là, faudrait le rappeler. Ok, 1. Attends, c'est une flèche. Ok. 1. Voilà. 1. Express. Perpète. LB. Voilà. Quai 2, voie 2. Et c'est omnibus. Péta ou schnock. Il n'y a pas d'autre arrêt puisque de toute façon il n'y a pas de gare. Il n'y a pas d'autre gare. C'est ballot. C'est ballot. Éventuellement on pourrait mettre un panneau pour indiquer la sortie. Ah, il faudrait que j'ai des... Il fallait que je mette des barrières. Pour pas qu'on tombe. Ça, ça je peux le ranger ici. Oui, c'est mis à l'envers du coup. Alors le truc qu'il faudrait que je ramène, c'est ça, des axes, des machins, un tube éventuellement. Bah, si j'ai de la place glissière, ça, 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 ça je vais le laisser là au cas où, ça. Ça. Ouais, il est quasiment usé le papier de verre, je peux le laisser. Allez, hop. Hop. Ah oui, mais là ça passe pas. Ah. Ah, quoi que, non, celui-là. Voilà, et celle-là je vais la réaligner. Hop, voilà. C'est impeccable. Bon, ben c'est tout bon. Ben, on n'a plus qu'à attendre notre train. En fait, puisqu'on va aller à Perpète-les-Bains. Pourquoi j'ai pas mes cookies ?
parce que... Ouf, j'en ai pas beaucoup. Par contre, je sais pas à quelle heure... Ah bah, il arrive, c'est l'omnibus. Impeccable, je suis au bon endroit. Salut Quick. On va parler de la saison 2. L'express. Bon ben bah, salut Quick. Alors qui arrivera en premier, l'express ou je vais aller voir le tableau d'affichage. Alors pour faire pète les bains, l'express est là dans 2 minutes. L'omnibus 12 il est là dans 6 minutes. Donc c'est l'express quand il aura fait son retour. Il arrive. C'est Pouletto. L'express c'est Pouletto. Hop hop. Donc on va attendre. Là, donc en attendant. Donc la saison 2. Survie Créa Chouchou saison 2. On continue avec les mêmes modes. A priori les mêmes versions. Objectifs principaux, relier 3 nouveaux villages à notre réseau. Et arriver enfin au top 1 cookie sans composter, hein, rien qu'en les mangeant. Actuellement on est au top 8. Objectif secondaire, ranger proprement les machines créates à l'atelier. Là ça fait un peu n'importe quoi, hein. Les premières que j'ai construites ça fait vraiment n'importe quoi. Créer une maison des villageois commerçants à Trifouilly. Trop plein de poudre d'os à Pétaouchnok à régler. Ouais, c'était ici hein, l'usine à ferme, la ferme à blé qui génère de la poudre d'os. Et quand c'est plein, le blé... les graines de blé se retrouvent dans le wagon. Et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. Donc il faut régler un
faire un système de trop-plein à régler. Éventuellement, vous pourrez indiquer d'autres objectifs secondaires, hein, maintenant ou quand on y sera, ou en cours de route. Si c'est des petits trucs, ça sera pris en compte, hein. Les objectifs principaux, c'est bien relier 3 nouveaux villages. Bon, voilà notre express qui arrive. Salut Pouletto, ça farte. Et donc tout ça en modalité, le dernier point c'était les modalités, ça sera fait en épisode. Donc monter, je joue comme si j'étais en live en fait, mais je passerai que je couperai tous les moments creux où il se passe rien. Et, donc monter, et dès que j'ai 20 à 25 minutes, hop, ça sort en épisode. Je les ferai pas trop d'avance, vous pourrez commenter, faire... Enfin, j'essaierai de pas trop les servir. A priori, ne pas les faire trop d'avance, pour que vous puissiez commenter et éventuellement modifier des choses. Il y aura, quand il y aura des choix à faire ou autre, je ferai des petits sondages. J'aimerais bien que ça reste un petit peu interactif comme en live. Mais bien entendu, on sera plus en live puisqu'on va partir sur une autre série modée. Et donc, première interactivité, c'est vous qui allez choisir les villages. Oh là, il va faire nuit. 18h06. Et il est loin. C'est loin, Perpète les Bains. Puisqu'on repasse pas par, on repasse par l'atelier, mais on s'arrête pas. L'express s'arrête pas. Hein. Donc on va arriver de nuit à Perpète-les-Bains. Mais il y a un lit dans la gare. Du moins il me semble. Et comme il y a des... Ah oui, mais ça peut spawner à l'intérieur. Je veux dire, il y a des barrières pour pas que les villageois viennent se mettre sur les voies, mais... Train qui est en attente. Ah oui. Ça y est, il est parti. L'omnibus est parti. Je comprends pas la question, Philbur. Ah, ça y est, on se fait tirer dessus. De nuit, ça craint. Éventuellement, ce qu'il y a de bien de nuit, c'est que... Là, on s'est chopé un squelette. Donc on arrive et on va faire le retournement, et c'est là que c'est dangereux, parce qu'au niveau du retournement, c'est là où on peut se faire attaquer, et y compris par des creepers. Voilà, il y a des squelettes, il y a des creepers. Voilà, ils nous ont vu arriver, ils se pointent, on fait marche arrière, et voilà, je me suis pris une flèche. Bon, les creepers n'ont pas eu le temps d'exploser, mais c'est ça qui est assez chaud. On n'est pas protégé dans les trains créates. Bon, mais... Oula, merci Pouletto. A plus. Hop, voilà. Ah oui, il y a les guichets qu'on n'a pas fait. Oula. Je crois qu'il m'a... Je me demande s'il m'a pas aggro. Alors ici, ce qu'on voulait faire, c'était mettre un panneau. Alors on voulait le mettre où ? Ici, au-dessus des trucs. Par contre, il va falloir amener un mécanisme. Et ça, ça va être chaud. Parce que ça n'a pas été prévu pour. Ou alors, on le met dehors. Ça va faire bizarre dehors. On le met dehors, là. Pour que ce soit visible d'ici, que ce soit visible de l'autre côté.
Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça. Plutôt que de le mettre dans la gare. Où ça n'a pas été prévu pour et que... ça va être glou glou glou. On le met juste là. Non, c'est cool. Ah. Nous n'avons pas les blocs qu'il faut. Oh non, Pouletto. Est-ce qu'il y a des blocs intéressants qui pourraient servir? Il me faudrait des blocs comme ça. De la pierre taillée. Ah bah tiens. On va prendre la moitié. Oh, il y en a même déjà de la taillée. Il y a un sacré brin là-dedans. Ah, et vitre en chaîne. Vitre en chaîne de créate. C'est vrai qu'elles elles sont mignonnes aussi, celles-là. Donc moi, je l'installerai bien ici. Est-ce qu'on le met un peu en hauteur ou au ras du sol? Non, un peu en hauteur, hein. Ils sont derrière. Et donc, il va falloir amener une molette ici. Ici une chaîne de transmission et on va se récupérer le mouvement. Quelle heure il est? 18h. Faut pas qu'on traîne de trop. Bah, le mouvement depuis la ferme à cookies. Hein. Une saleté de creeper qui traînait. Qu'est-ce que tu dis, Hotbug? Les stats, la clé créate pour démonter. Faudra poser un post-it sur l'écran pour la saison 2. Je sais pas si elle y est dans les stats. Je suppose. Ah oui, elle est là. Ah ouais, 1875. Ouais, faudra se méfier. Bon, au niveau de notre cookie. 3629, bon, on n'arrivera pas aujourd'hui, vous voyez, encore 90 pour arriver, on n'arrivera pas au top 7 aujourd'hui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, les graines de blé sont au top 7. Bon, ça c'est à cause du... du composteur. Bon, là on va récupérer le mouvement. C'est un peu le principe de la voiture à la pompe à essence. Vous savez pourquoi on coupe le moteur, hein. Alors on va s'arrêter à 54. Donc c'est ce mouvement là qu'on va récupérer et qu'on va transférer alors loin loin loin. On va le passer en dessous ici. Du coup, on va utiliser la pioche, la pelle. Hein. On va utiliser notre pelle. Alors, le truc est là.
Mais on va mettre un deuxième axe là. On va se mettre un deuxième axe là. On en a des axes. Ouais. Voilà. Et là, on se mettra une boîte à transmission. Ah, ou une boîte à clous. Ah, bah. On se mettra une boîte à clous ici. Bon, il faut que je remplisse mon... j'ai un coffre à brin ici. Il n'y a pas de coffre à brin ici. Bah, il n'y a pas de coffre à brin. C'est un scandale. Et il y a même... Ah si, il y a quand même un établi. Oh, la base quoi. Non mais, oh, sans blague. Bon, il faut que je me vide. En attendant qu'on ait fait ça. Ah ben, on va l'installer là. Hop, le coffre à brin numéro 52. Alors, de quoi j'ai pas besoin? J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai peut-être besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Ça j'en aurais besoin probablement, j'ai pas besoin de ça. Pop pop pop. Merci Noël officiel pour le suivi. Donc ici on descend et on passe donc si on descend de 3 c'est bon puisqu'on passe en dessous. Donc là j'ai descendu de 1, 2, 3. Normalement c'est bon. Voilà, je passe sous la maison. Ah, il faudrait peut-être quelques torches. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça serait pas mal d'avoir quelques torches. J'en avais. Alors, jusqu'où il faut aller ? Qu'est-ce que c'est que ce brin? Mais qu'est-ce que c'est que ces cochonneries qu'on traverse là? Non mais allô quoi. C'est très simple pour savoir jusqu'où on va. Il suffit de regarder la carte. Oh! Faut qu'on aille jusqu'à la gare. En fait, faut qu'on aille jusque là. Donc il faut qu'on fasse tout ça, tac tac tac, et après qu'on reparte comme ça. Au niveau altitude, on devrait être bon. On est à quel niveau? On a Y égale 60. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cochonneries là? Non mais, hé hey, allô quoi. Ah. Je vais noter Y égale 60. Sinon, je suis en X moins 186. On va creuser de l'autre côté. Oh là là, il pleut. C'est horrible. C'est horrible. Bah ici, on va se faire une... Il faut une roulette. Clac, 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 clac. Donc, chaîne de transmission ou boîte à clous ici. Donc, ben on va taper là. Et là, on va jusqu'en Y égale 60. Ouh, donc là, on va assez profond.
Et donc là, on part par là. Et là, on est en Z773. Et il est 18h54. Il faudra aller dormir, les gars. Il fait tout noir! Il fait tout noir! Hop! Je suis trop jeune pour mourir! Hop! Bon, j'aurais pu laisser le lit. Allez, hop! Pourquoi il fallait récupérer du zinc? Déjà? Ah, c'était pour le... Non, mais c'est pas vrai d'être aussi bête! Ah, crévinon! Et c'est un cul-de-sac en plus, y'a rien! C'est le trois du... Non, mais... C'est quand même pas compliqué de regarder sur ses pieds! Je vais y arriver? Alors, de quoi je pourrais me débarrasser, là? Tous les blocs pourris, là. Ah, j'ai même du tuf, quelle horreur. Tiens, ça, là. C'est moche. Tiens. Il y en a encore à récupérer. Allez, hop, on continue. Donc nous, là, il faut qu'on aille jusqu'en X égale... Moins 186. Oh vache, ça fait du chemin et on est en 122. Oh vache. Toujours dans le village, 183, 84, 85, 86, et hop, on part par là. Donc là, on est en 773, l'autre, on était en je sais pas combien. Alors, on ramasse plus les trucs. Il y aurait moyen de... Et voilà, on est bien. Il faut qu'on passe un axe là-dedans. Donc une boîte à clous, deux boîtes à clous, trois boîtes à clous, quatre boîtes à clous, cinq boîtes à clous. Ça fait une tralée de boîtes à clous. Alors, ça, ça, ça.
Qu'est-ce que j'ai jeté? Ah, du zinc. Non, ça je le garde. Ça peut servir. De la pierre des abîmes, on s'en moque ça. La redstone, on va la garder. Ok, dac. Donc. Il va falloir un sacré paquet d'axes. Mais bon, d'un autre côté, 5 boîtes à clous, 5 fois 4, ça fait 20 petits trous. Hop. Pop. Ça fait... Oh, bah, je vais utiliser ça. C'est plutôt le sapin. Après, je pourrais faire une hache en fer aussi. Hein. Il en fallait 5. Merci Sagittarius. Et merci pour ton Prime. Joyeux anniversaire de partenariat. J'ai plus la petite voix. Elle a disparu, j'arrive pas à la remettre. Tout est à l'air normal, mais elle marche pas. Elle veut plus parler, la petite voix. Il y a un blocage quelque part. Donc merci pour ton 5e mois d'abonnement avec ton Prime. Gros bisous, merci pour le soutien. Ta ta ta. Où en suis-je? Ouais, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Hein, fallait que je les laisse et que je leur balance de l'alliage dans des hits. Et après, on les pète avec ça. Hop. Donc, maintenant qu'on a ça, on va là. On fait ça. On prend les 20. Pop. Et puis, bah là, on fait un max à 8 x 10, 80. Je suis pas sûr que ça soit suffisant. Mais on verra bien. Donc là, il faut du vertical. Il en faut 4 de vertical. Donc là on met l'horizontal, pop. Pourquoi il est là lui? Et il nous en reste 3. Alors j'aurais pu faire des grandes courroies, mais ça aurait été plus économique. Enfin. Oui et non. Il en manque combien? On est en moins 165. Bah, chier encore du monde. Hein. Moins 110, il en manque 50. Ouais, on a entendu grogner. Vous l'avez entendu grogner aussi? Bon, on va aller chercher... Alors attends, je vais jeter des cochonneries là. On va aller rechercher de l'alliage dans des sites. Et puis il nous faut les deux liaisons d'affichage. J'ai pas de plaque de cuivre, donc ça on le fera. On fera la truc. J'ai besoin de torches. C'est bon, j'aurai des torches. Donc on va prendre le premier qui arrive. Pour retourner. Non, pas le premier. Ah bah si, l'omnibus, on peut sauter, on peut prendre n'importe quel train.
Même le train de marchandises, mais il est pas là. Donc ça sera soit l'omnibus, soit l'express. On va voir le premier qui arrive. Vu qu'on n'a pas encore le tableau. Donc en attendant, je reprends mes explications sur la saison 2. Donc, trois nouveaux villages. C'est le principe de base. On va relier trois nouveaux villages. Et puis, se faire des pioches en éthérite, des trucs rigolos. Ici, 1, 2, 3, c'est les villages existants. Avec l'atelier qui est en jaune ici, au milieu. Donc on a repéré en live l'autre coup 4 villages qu'on a dénommés A, B, C, D. A c'est celui du nord, B c'est celui de l'est, C c'est celui du sud, D c'est celui de l'ouest. A il a une particularité, c'est 2 villages, il y a un village bas, un village haut, possibilité de faire un petit métro, les autres sont plus communs. Le D et le C sont assez loin, le B est assez rapproché du 3, mais pas très 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 loin. Même si le terrain il est et donc il y a deux options, c'est soit on relie donc 3 de ces 4 villages là, ABC, DAB, ADC, etc, etc. C'est ce que je vais appeler la mise en étoile. Parce que si on fait ça, on reliera D à 2, A à 2, B à 3 et C à 1. À tous les coups, hein. On fera pas plus. Et l'autre option, c'est pas un truc en étoile, c'est un truc en... Ah oui, sinon les trains vont pas arriver. Je suis bébête, moi. J'ai mis pause sur le jeu. Et l'autre option, c'est de dire on relie trois nouveaux villages, mais qui seront sur la même ligne. Donc, par exemple, le fameux A', donc qui partira de A et qui relie deux villages de plus. B', il part de B et il relie deux villages de plus. D', qui part de D. Alors, pour C, il y a deux options. Soit on va vers le sud-ouest, soit on va vers le sud-est, donc ça sera C' et C'. Donc je vais organiser un premier vote sur ma chaîne YouTube. Le village B est à côté d'un autre aussi d'Imolibden. Ouais, mais ils sont moins côte-côte. Bon, il fait nuit. Et les trains n'arrivent pas. J'espère qu'il n'y a pas de blocage. Je vais montrer ça sur la carte puisqu'on a été les regarder, on a été les voir. Alors, le village B est ici et l'autre, tu vois, il est là. On le voit à peine là. Donc en fait, ils sont quand même assez éloignés. Mais donc celui-là, on s'en occuperait pas pour rejoindre sur la ligne B', on irait chercher un village plus loin parce que. Par contre, A et A', ils sont vraiment quand t'es dans l'un, tu vois l'autre et inversement quoi. Donc c'est assez assez rigolo. Quand vous voulez les trains, quand vous voulez vous amener. Donc il y aura un premier vote pour vous demander si vous voulez les nouveaux villages en étoile ou les nouveaux villages en ligne. Et selon le choix, bah après, on décidera quels sont les villages qu'on garde en étoile ou quelle est la ligne qu'on choisit.
Et puis dès que ça sera prêt, ben, on partira. On partira tranquillou. Pour continuer, continuer l'aventure. Ah oui, et donc là l'omnibus. Ça va être l'omnibus. J'avais parlé d'une. Là on avait fait une usine à cookies. Et dans les villages, on avait été chercher donc du cacao et du blé. Il faudrait éventuellement réfléchir et faire des propositions sur l'usine qu'on pourrait faire. Le train de marchandises. Salut Meumeu, ça farte. Ça farte Meumeu. Donc quelle usine on pourrait faire, quel nouveau train de marchandises on pourrait avoir en fait, qui viendrait se mêler à notre à nos nouveaux trafics. Donc ça je l'ai pas mis. Donc objectifs principaux, ça serait le 3. Ah, je l'ai pas mis en. C'est marrant. 3. Ah, je suis en verrouillage majuscule. Nouvelle usine au singulier. Point d'interrogation. Pourquoi c'est pas la bonne taille? Hop. La carte, elle sera mise sur YouTube et elle sera mise sur le Discord. Elle a été déjà mise sur le Discord, celle-là. Molybden propose usine de gâteaux. Bon, ça y est, on est à notre atelier. Donc, il faut qu'on se trouve de l'andésite. Et on va descendre tout de suite Zalamine. On a un nid dans des hein. Je sais plus, il est là. Il est derrière. Non. Ah oui, mais on l'a déjà. Ah bah ça c'est malin. Alors ça c'est malin. On l'a déjà décimé le truc d'Andésite. Il y en a plus que 4. Il en restait plus que 4. Ah bah bravo les gars. Il n'y a plus aucun respect. Ah il y en a là-haut. Ah ouais il y en a pas mal. Valable. Bon, faut qu'on se fasse une petite montée pour
Bon, ben... Hop. Allez, on récupère tout. Hop. Et on dit que c'est bon. On va pouvoir mettre plus de trains. Bah oui, on va essayer d'augmenter le nombre de trains. Ou de rallonger selon les lignes qui sont choisies, les trains existants seront rajoutés. Il y aura peut-être plusieurs express, etc., etc., etc. Alors. On en a combien? Ouh, on en a un sacré tas. Donc 32, ce qui serait bien c'est d'avoir 32 pépites. Pendant ce temps-là, on va aller se faire donc deux torches de redstone, tac tac, deux plaques de cuivre et deux revêtements en laiton. Plaque de cuivre, bon, revêtement en laiton, pack pack, deux plaques de cuivre. Hop. Et oui, sauf que pour le revêtement laiton, faut pas prendre des plaques de laiton. Ah, je me suis trompé. Oh, mais que je suis bête. C'était les trucs de cuivre qu'il fallait exploser. Ah, mais qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Et donc laiton, revêtement laiton, donc tac tac. Qu'est-ce que je veux jeter d'autre? Tac. J'en ai 33. Pourquoi? Ah oui, parce que... Alors... donc, je pense que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et hop, j'ai mes liaisons d'affichage. C'est bon. Alors, Natix dit, pour la saison 2, j'ai une idée, optimiser le stockage pour que tout soit bien rangé. Ça, c'est un défi. Ah, tu veux une salle des coffres, en fait? Bon, on va dormir. Ce qu'il y a, c'est que comme on a X village, une salle des coffres avec un rangement optimisé, on fera peut-être pour la saison 3. Donc tout est bon là. On va avoir de l'alliage d'andésite. On a ces deux trucs là, normalement ça devrait être bon. Ça va le faire. Nickel chrome. On adore quand un plan se déroule sans accro. Et voilà. Donc là, on a un stack de trucs. On va pouvoir se faire moult. Donc, on repart. Je vais faire aussi l'affichage de l'heure. Ici, non. Non, non, uniquement les trains. Là, ici, uniquement les trains.
Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, sachant qu'on sort ici. Puisqu'on retourne à Perpète-les-Bains. Là, il n'y a que l'omnibus qui s'arrête. Hein. Ou alors on y va à pied. Mais bon, l'omnibus, il revient assez vite. Hein. Donc, je pense qu'on va améliorer les lignes. Je le mets pas en objectif. Mais il y aurait éventuellement... Surtout si on a des lignes qui se prolongent, on va les passer en double voie. Et donc, il y aura matière à avoir, par exemple, deux omnibus. S'il y a plusieurs villages... Pour avoir, pour pas avoir des trains qui se pointent toutes les 10 minutes, on veut avoir des trains assez réguliers, donc il va falloir augmenter le nombre de trains pour qu'on se dise on veut pas un arrêt plus de 5 minutes, quoi. On veut pas attendre plus de 5 minutes un train, quoi. Bon, vous allez me dire, là, c'est le cas. Mais en fait, non. 5 minutes, c'est long, hein, ça fait une demi-journée Minecraft, hein. Saison 3 procrastination. Ouais, on le fera la saison 3. Donc nouvelle usine, je vais rajouter gâteau. C'était ce qui a été proposé, on en avait parlé. Gâteau. M'arrange pas du tout, mon pépère. Tu m'arranges pas du tout parce que t'es pas prêt de revenir. Bon, on y va avec la draisine, puisque c'est comme ça. Non, mais sans blague. Voie libre. Tu sortiras les épisodes tous les combien, je sais pas. Au fur et à mesure que ça sera tourné et monté. Et c'est quand j'aurai pas les séries courantes qui m'accapareront trop, quoi. Ah oui, là, par contre, attends, il y a un problème. On va avoir un problème, c'est que... J'ai pas d'endroit pour le ranger. ah, brin. Bah, vous savez quoi, on va le démonter, hein. Exceptionnellement, j'aime pas faire ça, hein. J'ai de la place dans mon inventaire, ouais. Ah. Comment on fait pour le récupérer? C'était pas... Ah, c'est clic shift clic gauche? Non. Shift clic droit, ça permet de le repositionner. Ah, comment on fait pour le récupérer? Sinon, si j'ai des rails, si j'ai des rails en rab, je peux le mettre à côté là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais pas avoir de rails en rab, je pense. Vache. <C'est... rire> Ah bah oui, c'est les cookies qui sont stockés. Ouais, ok. Ouais, bah ouais, tous les trains sont bloqués à cause de moi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Bah tant pis, hein. Ah.
C'était l'express. Hop. On va aller côté omnibus. Puis on changera de voie à chaque fois qu'il y a un train qui va se pointer. ouais, c'est un peu n'importe quoi. Mais oui, j'ai pas de. Bah, ce qu'il faudra faire, c'est un. Oh, puis ça, c'est pénible. On va rajouter dans les objectifs secondaires un endroit de rangement de la drésine, partout. Garage. De la drésine dans toutes les gares. Toutes. Oui, toutes. Crève un nom. Ouais. Bon, bah, nous, on était presque bons, hein. Plop, 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 plop. Ah oui, il faut juste... Combien j'avais dit? 80? Ça fait 10. Hop. C'est rigolo le bleu qui tourne comme ça là. Ça fait joli. Illictate, illictate. Hop. Voilà. Comment qu'on va monter? On va s'en faire un à côté. Puisque là, donc il faut un ici, là faut tac, hop. Sorti. Donc là ici, on remet une boîte à clous. Elle est pas dans le bon sens. Crève-anon. Crève-anon de bonsoir. Tac, voilà. Donc ça, on le remet. Hop. Et ici, on met une chiotte molette. On met une chiotte roue. Est-ce que j'ai de quoi faire une petite roue? Ouais, ça va le faire. Et hop. Alors on pourrait cacher ça par des... ouais, parce que c'est pas très très joli. Donc on met 4 boîtes à... Oh, mais qu'il est... Il est quand même un peu bébête le gars. Hop. Où elles sont mes boîtes? Tac, 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 tac. Comme ça, ça fait joli. Et pourquoi j'en ai 5? Bon, on va pas trop poser de questions quand même, hein. Donc, normalement, je clique ici. Clac. Et je vais... Le premier, on va mettre l'express. Plop, 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 plop. Non. Pas ici. Ah. Est-ce que je suis obligé de le... Il faudrait que je déplace mon train. C'est pas grave, c'est pas grave. Clic.
En plus, il va faire nuit. Hop, hop. On va le mettre pile ici. Hop, c'est joli. Schön. Il y a un plumard là. Ah non! Mais pourquoi une porte? Mais vous êtes pas bien, les gars! Non, mais vous êtes vraiment malade! Oh, il y a un plumard, cool. Voilà, ça c'est du rangement optimisé, les gars. Donc j'en ai encore une autre à mettre. Faut que je traverse. Pourquoi ça marche pas? Départ dans 5 secondes. Ouais, c'est pas le statut que je veux alors. C'est le sommaire de la station. Ah oui, j'ai un V2, 50% 3. Taille de la colonne du quai. Je sais pas ce que ça fait 3. Ouais, c'est ça. L'omnibus 12 pour la halte arrive dans 8 minutes. Ah, il vient juste de partir. Donc lui... C'est sommaire, j'ai un V1, 50%, 3. Hop. Ouais, si on le lance pas, il affiche rien. Et donc là, on a l'express. Ah oui, qui s'arrête à la halte. Ouais, mais c'est pas bon. Et il est là dans 4 minutes. Donc on va déplacer notre draisine, puisque ça ne va pas. Allez, hop. Bon, ben, valide. Oula, des images perdues. Bah, ça tombe bien, on est en fin de live. On est avec, avec le routeur. Ouais, quelques images perdues. Mais on est en fin de live, on va arrêter là. Ouais, ouais, il y a eu des coupures en ligne. Ah, ça recommence. Ça recommence, ça cafouille. Ça cafouille, ça cafouille. Ça s'en va et ça revient. Mais on va arrêter là, puisqu'on a terminé. Donc, c'était le dernier épisode de notre saison 1. Ah, brin, 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 brin. Ça cafouille grave. Je vais rebooter le routeur. Ah, on va faire un petit reboot histoire de pouvoir se dire tranquillement au revoir. Quoique là, ça a l'air d'être bon. Si jamais ça recoupe, parce qu'on va juste se dire au revoir, je vais organiser le vote, hein, avec explication sur le Discord. Ah ouais, ça recoupe. La nouvelle saison, elle commencera dès que le vote est terminé. Dès qu'on a choisi les options, moi je commencerai dès que j'ai une heure ou deux heures à jouer, hop, je joue. Et dès que j'ai 20 minutes d'épisode, hop, il sortira. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça coupe, ça revient, ça... Je vais vous remercier. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Créate et avec les Chouchous pendant cette saison...
pendant cette saison 1, et c'est pour ça que j'ai envie de continuer sur la saison 2. Tout en... Ouais, voilà l'express. Ok, d'ac. Je vous fais des gros bisous. Merci aux modérateurs, merci aux donateurs, merci à vous tous. Des gros bisous. Je vous souhaite... Donc, demain, c'est jeudi, c'est Holicube. Vendredi, ce sera le tour du monde en simulation de vol. Et samedi, ben, on commencera la nouvelle série modée. On commencera le nouveau mode pack. Ouais. J'attends que ça revienne dans le vert. Souvent, vous entendez ma voix, mais... Enfin, là, c'est en train de... Plop, 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 plop. Ouais, il y a pas mal d'images perdues, hein. Pas mal d'images perdues. C'est chelou. Bon, ben voilà. Allez, des gros bisous. Encore. Et puis, à la prochaine. Allez, au revoir. Et puis, vous verrez sur le Discord ou sur YouTube... Le vote ne va pas tarder à arriver. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta.